Bonjour à tous, je vais vous parler de cinéma des années 70. J'ai fait une petite sélection de films un peu méconnus de cette période. Et on va commencer tout de suite par The Offense de Sidney Lumet. Sidney Lumet, c'est le réalisateur de Serpico, d'Un après-midi chien, de 12 hommes en colère. Ce film, il a réalisé en 73 avec Sean Connery. Il est assez méconnu. Il se passe en Angleterre, dans une petite bourgade anglaise. On y suit du coup un enquêteur qui enquête sur des viols de jeunes filles. Et donc Sean Connery incarne cet inspecteur. Sean Connery, quand il fait ce film, il sort des Diamants sont éternels, le dernier James Bond qu'il a fait. Et il voulait casser son image un peu de James Bond. Du coup, il incarne dedans un flic qui est torturé, qui est à la limite toujours du bon et du mal. C'est un polar très brumeux, une ambiance très très particulière. De toute façon, vous allez le voir dès la première scène, qui a un effet sonore, visuel incroyable. Le film repart après sur un flashback. C'est un film que je vous conseille vraiment de découvrir, qui est vraiment un film merveilleux et surtout une ambiance très très particulière. Sean Connery as Detective Sergeant Johnson. He's been a cop for 20 years. The things he's seen and done and lived through are destroying him. Lone streets, back alleys, standing in doorways, dark corners, always night, no one there. Silent, empty, people dying, no one. Bloody dying, no one. Oh, I've seen it. The Offense. J'enchaîne avec faire un film. Là, cette fois-ci, c'est un livre. C'est un livre qu'a écrit Sidney Lumet. Il a été édité il n'y a pas très longtemps par Capricci en 2016. Il n'a été pas édité en France avant. Et c'est un livre passionnant que je vous conseille vivement. En fait, on y suit étape par étape comment se construit un film. Donc, il parle du scénario, du choix des acteurs, de la façon dont on va faire répéter les acteurs, comment on débloque des acteurs dans une scène, mais aussi du montage, des projections de texte, etc. C'est vraiment un livre essentiel, je pense, au niveau du cinéma. Lumet, il parle avec une très grande humilité. Et c'est un livre qu'on peut vraiment lire à tout âge. Je pense que même adolescent, on peut lire, qu'on soit passionné de cinéma ou non. Parce que c'est pas que sur le cinéma, c'est aussi un grand livre sur le management. Parce que Lumet discute dans ce livre de faire un film, c'est aussi gérer une équipe. Et comment on gère une équipe? Comment on fait en sorte que chacun trouve sa place et chacun tire le meilleur de soi-même? Et Lumet, du coup, donne des clés là-dedans. Donc c'est vraiment un grand livre que je vous conseille vivement. Moi, en tout cas, quand je l'ai lu, c'est vraiment un livre qui m'a marqué. Et voilà, je le conseille à tous. Et puis, quand j'ai lu ça, j'aimais déjà le cinéma de Sidney Lumet avant ça. Et en lisant ça, je me suis dit vraiment que ce mec était quelqu'un de vraiment de bien, qui faisait des bons films, et qu'en plus, qui était vraiment quelqu'un de passionnant. Donc je vous le conseille vivement. Ensuite, on va continuer avec un autre film des années 70, qui change un petit peu le style. C'est un film de Sam Peckinpah. C'est Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Grand film. Sam Peckinpah, c'est le réalisateur de La Horde Sauvage, de Guet-apens, des Chiens de paille. C'est un film qu'il réalise en 1974 avec Warren Oates, qui est un de ses acteurs un peu fétiches. Et Warren Oates, il a toujours fait des rôles un peu de second couteau. Et là, c'est un des seuls films où il est vraiment, il a le rôle principal. Et pour moi, c'est peut-être son plus beau rôle. L'histoire, c'est un parrain dans une petite bourgade mexicaine qui apprend que sa fille est enceinte d'un fameux Alfredo Garcia. Et du coup, il met sa tête à prix, $1 million sur sa tête. Du coup, on va suivre Benny, donc incarné par Warren Oates, qui part au Mexique à la recherche de Alfredo Garcia. Peckinpah filme que des personnages qui sont odieux, qui sont prêts à trahir pour leur propre intérêt. On retrouve beaucoup de similitudes avec Le Trésor de la Sierra Madre de John Huston. D'ailleurs, le film en fera quelques références. C'est un film très violent, je vous préviens, et la marque de fabrique de Peckinpah sur la violence, c'était de faire des montages très particuliers et d'utiliser des ralentis avec des cuts très précis. Et là, il est quasiment à la quintessence de cette réalisation-là. Il l'avait fait déjà dans La Horde Sauvage, dans la scène finale, mais là, c'est encore plus brut et c'est incroyable. C'est un film qui a inspiré énormément de réalisateurs comme Tarantino ou d'autres. Voilà, ça sent la poussière, ça sent la chaleur, la sueur. Ça a été tourné au Mexique. Peckinpah l'a tourné au Mexique parce que à cette époque-là, Nixon venait d'être élu et il voulait pas du tout tourner sur le sol américain. Il était complètement contre la guerre du Vietnam aussi qui était à cette époque-là. Et on ressent un peu tout ça dans ce film. Voilà, je vous le conseille vivement. Après, voilà, c'est violent, mais pour moi, c'est un très très grand film. Bring me the head of Alfredo Garcia. We are looking for an old buddy of ours. His name is Alfredo Garcia. Maybe you could help us find him. Son of a bitch. You got me. All ever required from you is a
physical proof that Garcia is dead. I'm gonna find you. On va continuer avec un autre film encore de 70, puisque c'est le sujet, mais cette fois-ci on va partir en Angleterre, avec un film britannique, réalisé par Nicolas Rugg, qui s'appelle Ne vous retournez pas. C'est un film qui date de 73, il est adapté d'une nouvelle de Daphné du Maurier. Donc Nicolas Rugg, c'est quelqu'un qui a fait des films comme L'homme qui venait d'ailleurs, avec David Bowie, ou La randonnée, qui est un film très particulier sur un rite initiatique australien. Ne vous retournez pas, l'histoire, c'est un couple qui va partir à Venise, pour faire le deuil de leur enfant qui vient de mourir, qui vient de mourir en fait. Le couple, c'est Donald Sutherland et Julie Christie, qui sont deux figures très importantes du cinéma américain des années 70. Et donc ils vont aller à Venise pour passer ce deuil. Et Venise va devenir vraiment un théâtre très inquiétant, il va se passer des choses très bizarres. On est dans un film un peu entre David Lynch et Dario Argento, je dirais. Et c'est très très particulier, c'est vraiment un film d'ambiance en fait, et c'est un film puzzle qui se construit petit à petit, et c'est une fois que le film est fini qu'on comprend tout le film en fait. C'est un film qui m'a marqué, des plans me restent en fait encore en mémoire, des passages me restent en mémoire, et c'est ça que j'aime aussi dans le cinéma en fait, c'est des fois des films que je comprends pas forcément toute l'histoire, mais c'est l'ambiance en fait qui en ressort, et c'est vraiment vraiment un film d'ambiance que je vous conseille vivement, il est très très particulier. You're so sad, and there's no need to be. I've seen her, and she wants you to know that she's happy. I've seen your little girl. Un autre film d'ambiance que j'ai découvert un peu par hasard et qui est absolument incroyable et que je vous conseille, qui n'a pas été édité en DVD pendant très longtemps et qui a été édité il n'y a pas très longtemps justement en DVD, c'est Réveil dans la terreur. C'est un film australien, américano-australien disons. C'était réalisé par Ted Kotcheff en 71. Ted Kotcheff, il a été connu pour avoir fait le premier Rambo en fait. Et ça c'est le film qu'il a fait avant. C'est adapté d'un roman de Kenneth Cook. L'histoire c'est un instituteur d'une classe unique en Australie qui, le jour des vacances, part pour rejoindre Sydney. Donc il prend le train, et en chemin, il s'arrête dans une petite ville. Et dans cette petite ville, ses vacances vont commencer, et voilà, ça va partir un peu dans tous les sens. C'est un thriller, c'est pas vraiment horrifique, mais c'est un thriller, c'est un film entre le documentaire et la fiction, complètement passionnant, on sait pas ce qui va se passer de bout en bout. Peu d'acteurs connus, le seul visage qu'on connaît, c'est Donald Pleasance, qu'on a vu dans La Grande Évasion, ou dans Le Voyage Fantastique. Mais sinon, les acteurs sont inconnus. C'est un grand, grand film. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a marqué complètement. Et je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ce film. Vraiment, découvrez-le. Il y a une scène de chasse au kangourou assez incroyable. Et c'est aussi un film assez violent, quand même. Et cette scène de chasse au kangourou a fait bouger les choses, d'ailleurs, en Australie, parce qu'elle était tellement marquante que les autorités ont décidé de faire quelque chose pour cette chasse au kangourou. Voilà. Donc, Wake and Fright, en anglais, et Réveil dans la terreur, en français. Je vous le conseille vivement. You to the Yabba? Yes. Staying long? No, just tonight. Oh. Et je vais terminer du coup les années 70 par un livre qui est un peu pour moi la bible de cette époque, qui s'appelle Le cinéma américain des années 70, qui a été édité par les Cahiers du cinéma en 2006 et écrit par Jean-Baptiste Torré, qui est un éminent critique de cinéma. C'est vraiment la bible sur ce sujet-là en fait, et il a réhabilité toute cette période qui était assez méconnue et assez sous-estimée disons par l'univers du cinéma. Voilà, bah, de toute manière, cette époque, c'est là où on voit des grands réalisateurs qui arrivent, comme Scorsese, Spielberg font leur premier film, Michael Cimino, William Friedkin, mais des acteurs aussi, Jane Fonda, Meryl Streep, De Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino font leur pas à cette époque-là. C'est une époque en fait de grands bouleversements dans la société américaine. Il y a la guerre du Vietnam, il y a des grands mouvements sociaux, la liberté sexuelle, et du coup, le cinéma va faire écho à cette époque-là. En fait. Et donc, dans ce livre, il explique
tout justement ce qui s'est passé, comment le cinéma s'est fait écho de cette période. Donc il y a des analyses éminemment politiques aussi, mais il y a des analyses filmiques, il y a beaucoup d'images, etc. C'est vraiment un livre passionnant, je trouve. Et à la fin, on a une grande filmographie sélective qui nous permet de voir les films qui ont marqué cette période. Il suffit de voir, voilà, Alien date de cette période-là, Star Wars aussi, Apocalypse Now, L'Exorciste, enfin, Voyage au bout de l'enfer, Une femme sous influence, enfin, nombre de films incroyables datent de cette époque. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous replonger dans cette époque-là à travers ce livre et les films que je vous ai proposés. Merci à tous.